en réponse à une situation, enfin à l'iconoclasme anglais. Bon, c'est un travail que j'ai effectué il y a un certain nombre d'années déjà, puisque j'ai soutenu ma thèse en 2008. Et ensuite, j'en ai tiré cet ouvrage qui s'appelle Le Verbe fait image, et je suppose que c'est le titre donc, de cet ouvrage qui a attiré votre attention. Et je vais donc revenir sur cet ouvrage et je vous demande toute votre indulgence parce que bien, ça fait un moment que je n'ai pas vraiment traité ces questions de fond, mais ce sont des questions qui me restent très chères et que j'explore autrement. Donc en fait, dans ce travail, j'explore le rapport entre la poésie religieuse du premier XVIIe siècle anglais, sa façon de faire image, et j'essaie de comprendre sa façon de faire image dans le contexte des crises iconoclastes qui ont dévasté les églises anglaises sous la Réforme, puis à nouveau lors des guerres civiles au milieu du XVIIe siècle. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, je continue à travailler beaucoup sur la question de l'incarnation, mais de façon beaucoup plus détournée, puisque je travaille sur les liens entre poésie et objet matériel, mais c'est pour moi une sorte de prolongement au travail que j'avais entrepris naguère sur les rapports entre images poétiques et images religieuses. D'abord, je voudrais dire à quel point j'étais éblouie par la citation de Proust que je n'avais jamais vraiment remarquée et qui figure au début de votre descriptif de votre projet de séminaire pour cette année. Donc, je me permets de la relire. La beauté des images est logée à l'arrière des choses, celle des idées à l'avant, de sorte que la première cesse de nous émerveiller quand on les a atteintes, mais qu'on ne comprend la seconde que quand on les a dépassées. Donc cette citation, je vais commencer par un petit détour assez personnel en fait, parce que cette citation me parle beaucoup, parle à mon histoire personnelle en tant que personne et puis ensuite en tant que chercheuse. Ce qui m'éblouit dans cette citation que vous avez choisie, qui me plaît énormément, c'est la façon qu'elle a de dire cet écart. Cette liberté qui se joue dans chacun des deux termes, le verbe, ou dans chacune des deux notions, le verbe et l'image, logos et icon. Donc voilà, c'est pour moi, c'est cet écart-là qui est fondamental. Et comme je vais tenter de le montrer ou de le suggérer, le danger pour moi de l'iconoclasme, c'est son effacement de cet écart qui est si essentiel à l'image. Une expérience personnelle d'abord, parce que je crois que nos sujets de recherche, nous les élisons en quelque sorte au regard de nos histoires personnelles, de façon plus ou moins consciente. Mais j'en parlais hier au téléphone avec Pierre, et ce n'est pas anodin de savoir que j'ai été élevée au sein d'une famille protestante, même plus précisément mennonite, c'est-à-dire une branche de l'Église qui descend des anabaptistes, donc une branche extrêmement radicale de la Réforme, tradition dans laquelle évidemment il n'y a pas d'image, hein, c'est la même branche que les Mennonites et que les Amish, pardon, et nous en parlions hier, par exemple le fait que les Amish ont des poupées sans visage qui témoignent de cette méfiance, hein, à l'égard de l'image et de cette peur de reproduire ce que Dieu seul saurait créer. Voilà pourquoi la citation de Proust me parle. Je me souviens, alors ça me ramène en arrière, même bien plus loin en arrière que la thèse que j'ai écrite et de laquelle j'ai tiré l'ouvrage, à une expérience de mon enfance, puisque j'étais obligée de suivre mes parents chaque dimanche dans un lieu de culte. Et dans l'entrée de ce lieu de culte, évidemment, dans le lieu de culte lui-même, il n'y avait pas d'image, mais dans l'entrée, il y avait un petit présentoir avec des cartes postales que l'on pouvait acheter pour soutenir je ne sais plus quelle cause et qui en général présentait des images accompagnées d'un petit verset comme Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, illustrant une petite gerbe de blé avec un soleil couchant à l'arrière ou ce genre de choses. Et pendant un certain temps, ces images me faisaient rêver lorsque j'arrivais parce qu'elles représentaient un lieu liminaire, un
espace marginal qui n'était pas exactement le lieu de culte et un espace où il y avait des images et on pouvait rêver à partir de ces images. Mais bientôt, ces images et ces versets qui les accompagnaient se sont transformés en une sorte de diktat du verset isolé dont on n'a pas le droit de dépasser le sens parce qu'il est encadré par une image et de même l'image, elle, est destinée à susciter une médiation contrainte ou fabriquée. Et petit à petit, cet espace de liberté qu'étaient ces cartes postales sont devenus plutôt pour moi le symbole d'un régime mortifère, d'un verbe qu'on contraint, régime mortifère aussi d'une image dont on abolit l'écart et le caractère irréductible. Donc, je pense que en faisant de la recherche et en étant éblouie bien plus tard par une poésie dévotionnelle, mais éblouie autrement, en dehors du temple, si j'ose dire, il s'agissait pour moi en tant que chercheuse aussi de remettre en mouvement à la fois le verbe et de remettre en mouvement le verbe et de redonner à l'image son indétermination, en fait. Je crois que c'est cette recherche-là qui a été la mienne profondément. Mais évidemment, ma recherche part aussi d'un constat, et ensuite, plus tard, hein, parti d'un constat, si j'ose dire, scientifique, et j'utilise ce terme avec des guillemets, d'autant plus que j'ai lu en partie l'essai de Pierre, je le disais, sur la question des sciences aujourd'hui, qu'est-ce que les sciences, et le fait que le terme science est un terme vide, on l'utilise de façon tout à fait vide, mais un constat scientifique, du moins de savoir, puisque il y a des savoirs quand même établis. Ce livre, Le Verbe fait image, est parti d'un constat scientifique de départ et aussi d'une intuition. Donc, quel est le constat? Le constat était qu'en fait, en Angleterre, nous avons une période qui est encadrée par deux très violentes crises iconoclastes. La première lors des réformes, à partir des années 1530, en Angleterre, et la deuxième déjà dans les années 1620, on commençait à avoir des soubresauts, des guerres civiles à venir, et évidemment une crise iconoclaste encore plus violente lors des guerres civiles en Angleterre, Écosse, etc., au milieu du XVIIe siècle. Donc cette période-là, qui est encadrée par ces deux violents moments de destruction d'images en un sens très large, parce qu'il ne s'agit pas que d'images, mais il s'agit de toutes sortes de signes visibles, de statues, de monuments. Entre ces deux périodes, on voit aussi émerger une nouvelle poésie, une nouvelle poétique qu'on a eu tendance à appeler métaphysique, dont l'une des caractéristiques principales, d'après des décennies de critiques, est justement sa façon de faire image et sa façon en particulier d'avoir recours à des conceits ou des concertos particulièrement élaborés. Et parmi cette poésie, il y a une poésie amoureuse, mais il y a aussi vraiment une poésie dévotionnelle très importante. Donc, il me semblait que c'était intéressant d'essayer de comprendre quel pouvait être le lien entre cette émergence d'une nouvelle façon de faire image en poésie et cette expérience de la destruction violente d'images religieuses en Angleterre au XVIe puis au XVIIe siècle. Donc, dans sa définition de la poésie dite métaphysique, le terme a été utilisé de façon assez derogative, assez critique, en fait, par celui qui l'a d'abord appliqué à cette poésie. Mais donc, une spécialiste du XXe siècle, Helen Gardner, explique, donc je vais me permettre quelques citations en anglais, je ne sais pas si j'ai besoin de les traduire ou non pour l'auditoire, vous me direz, mais je les dirai lentement et il y en a quelques-unes que je vous montrerai. Donc en tous les cas, Helen Gardner explique l'un des traits caractéristiques de cette poésie, « Its most immediately striking feature is its fondness for conceits. A conceit is a comparison whose ingenuity is more striking than its justness, or at least is more immediately striking. » Donc voilà, une poésie qui ferait image de façon ingénieuse et l'ingéniosité prendrait le dessus sur la justesse
de l'image, ou du moins elle dit c'est l'a priori. En fait, ce qu'elle fait là, c'est qu'elle elle reformule une critique qui avait été faite à la poésie dite métaphysique au XVIIIe siècle par les défenseurs d'un certain classicisme, Samuel Johnson en particulier, qui avait écrit une histoire de la poésie anglaise, et lui accusait les poètes métaphysiques d'être trop spirituels, il les accusait de mettre trop de wit dans leur poésie. Et il expliquait que leurs images, donc les images poétiques auxquelles ils avaient recours, trahissaient la nature. Leurs images étaient des discordia concorses, et je le cite, « a combination of dissimilar images or a discovery of occult resemblances in things apparently unlike ». Donc cette citation me semble très intéressante pour questionner la notion d'image et de similitude hein, qui est au fondement de la notion d'image, puisqu'il commence par dire que en fait les images sont dissimilar, ne sont pas ressemblantes, et qu'il faut en fait faire tout un effort pour recouvrir, retrouver une ressemblance occulte qui est cachée dans cette dissemblance, en fait. Donc, lui est extrêmement critique de ce type de poésie qu'il juge qui trahit en quelque sorte un principe de mimésis artistique, et qui trahit aussi simplement un principe esthétique, en fait. Ce sont des images qui détonnent, qui sont non seulement fausses, ou peut-être pas fausses, mais ce sont des images diffractées, décomposées, qui sont, en d'autres termes, dissemblables, si dissemblables qu'il est très difficile à l'imagination du lecteur de recomposer en fait le lien entre l'image et ce vers quoi elle tend, ou ce à quoi, à quoi elle fait signe. Il s'explique un petit peu plus longuement sur la chose. Their attempts were always analytic. They broke away images into fragments and can no more represent by their slender conceits and labored particularities the prospect of nature or the scenes of life than he who dissects a sunbeam with a prism can exhibit the wide effulgence of a summer noon. Donc cette citation, après avoir lu un petit peu le texte de Pierre hier, je me suis dit qu'elle était, elle entrait en résonance avec certains des arguments de ce texte, puisqu'il prétend que les images des poètes métaphysiques sont comme ces efforts des scientifiques qui essayent de dissect a sunbeam with a prism, donc qui effectuent utilisent le prisme pour diffracter la lumière, et que cela ne les aide pas pour autant à montrer, à faire sentir ce qu'est la luminosité d'un jour d'été, en fait. Donc voilà, il y a cette idée chez Johnson, lecteur des poètes métaphysiques, qu'il recherche des images trop compliquées, trop étranges, et que en fait ils agissent, ils emploient les outils de la science pour essayer de transmettre une expérience esthétique. Mais évidemment, Johnson écrit d'une autre époque, une époque où une certaine révolution scientifique, j'emploie des guillemets ici, a déjà eu lieu, du moins où la science s'est supposément affranchie de, par exemple, de la théologie, etc., et existe de façon propre. Son opposition n'est peut-être pas valable, et il applique à une poésie qui précède ce cheminement-là une opposition qui n'a pas lieu d'être. Cette citation de Johnson s'applique surtout à la poésie de John Donne plus qu'à celle de George Herbert, sur lequel j'ai travaillé en priorité, même si j'ai travaillé sur d'autres poètes aussi. L'un des exemples les plus frappants de conceit métaphysique illustrant la notion de discordia concourse, l'exemple auquel on a souvent recours, c'est celui de, je ne sais pas si vous connaissez le poème de John Donne qui s'appelle A Valediction Forbidding Morning, dans lequel il décrit les deux âmes d'amants séparés
comme les deux branches d'un compas. Et il décrit les mouvements de ce compas, leur séparation, mais le fait qu'ils tendent toujours l'un vers l'autre, etc. Donc voilà, cette proximité de deux âmes s'illustre à travers une comparaison qui est celle voilà, de la description assez détaillée d'un instrument de mesure scientifique, si on peut dire. Voilà, alors chez Herbert, en fait, les images sont moins, comment dire, peut-être moins alambiquées, mais je vais tout de même vous montrer un petit poème dans lequel on a une sorte de référence aussi à un objet que l'on pourrait dire mécanique. Donc je vais lancer la présentation, j'espère que ça va marcher. Non. Annulé. Il faut que je revienne à ma présentation comme ça. Est-ce que ça marche davantage? Normalement, vous devrez pouvoir faire dérouler. Hein. Dérouler, non. Fenêtre de l'application, voilà. C'est bon. Vous voyez le texte? Attendez, c'est... oui. C'est bon? Alors, c'est bon, sauf peut-être pour la taille, mais je crois que on peut, vous voyez en haut à droite, vous pouvez rendre ça, je dis ça à tout le monde, vous pouvez rendre ça plus grand. Et là, on voit. Ça plus grand, alors je vais voir. Oui, vous voyez en haut à droite. En haut à droite. En haut à droite, pardon, du... Oui, enfin, pas vraiment en haut à droite. Comment dire, vous avez ces flèches divergentes là, à peu près au niveau du. Je pense. Hein. Est-ce que je ne vois pas la même chose que vous? Peut-être pas. Est-ce que là, vous êtes full screen? Là, je ne suis pas full screen, je suis, je me vois moi au-dessus. Chacun peut le faire, c'est-à-dire au niveau du haut de l'image. Chacun peut agrandir soi-même. À droite, vous avez des petites flèches divergentes et là, ça, c'est make screen, share, full screen. D'accord. Donc, ouais. si vous faites ça, ça agrandit. Alors, le partage d'écran. Ah non. Excusez-moi. Pardon, non, ça, c'est pas bien. Non, vous remettez pareil et puis vous mettez les flèches divergentes si vous voulez. Chacun met les flèches divergentes s'il veut. Voilà, pour lire. Bien, donc voilà ce poème qui fait partie de son ouvrage, publié en 1633. Qui s'appelle « The Pulley ». Donc, c'est-à-dire la poulie, tout simplement, mais on remarquera que la poulie n'est jamais mentionnée dans le poème lui-même. When God at first made man, having a glass of blessings standing by, let us, said he, pour on him all we can, let the world's riches, which dispersed lie, contract into a span. So strength first made a way, then beauty flowed, then wisdom, honor, pleasure. When almost all was set, was out, God made his stay, perceiving that, alone of all his treasure, rest in the bottom lay. For if I should, said he, bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me, and rest in nature, not the God of nature, so both should losers be. Yet let him keep the rest, but keep them with repining restlessness. Let him be rich and weary, that at least, if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. Alors, pour vous résumer en quelques mots, pour ceux qui seraient moins à l'aise avec l'anglais ici, je crois que ce poème est intéressant par rapport à l'image. Il illustre de nombreuses façons le statut de l'image dans la théologie en général, hein, la théologie de l'incarnation et de l'image, puisqu'il décrit en fait la création de l'homme ici, un peu à la façon d'une boîte de Pandore, hein, on a Dieu qui crée un homme et qui va lui donner toutes sortes de qualités. En gros, il le façonne à son image. Donc ça, c'est un des niveaux auxquels se joue la théologie de l'image, l'idée que Dieu crée l'homme à son image. Et le terme de glass ici, qui fait référence au verre d'eau, à une sorte de coupe remplie de richesses qui serait donnée à l'homme, la créature de Dieu, et bien cette coupe nous rappelle aussi par l'homophone, enfin le deuxième sens de glass qui est le miroir, hein, que Dieu est en train de créer
un homme à son image et lui donne un certain nombre de qualités, de facultés, mais il retient le repos ou la paix, ne lui donne pas cela complètement parce que il faut que l'homme soit animé d'une force d'intranquillité pour qu'il puisse tout de même rejoindre Dieu, retrouver son sein à la fin, may toss him to my breast. Et on comprend que la poulie, objet mécanique, décrit en fait les mouvements de l'âme de cet homme fait à l'image de Dieu, mais qui est dans une position d'intranquillité et qui, parce qu'il est intranquille, parce qu'il y a cet écart, pourra rejoindre celui dont il est en quelque sorte l'image. Voilà, donc il me semble intéressant de voir comment Herbert utilise ici une image qui semble à des gens comme Johnson totalement incongrue, pas du tout naturelle, une image d'un instrument mécanique pour décrire un mouvement de l'âme. Donc voilà, mais ce poème est... Et, ah oui, alors peut-être un autre point aussi sur ce poème, il rappelle d'une certaine façon aussi les pratiques que l'on trouve dans les livres d'emblèmes. Je ne sais pas du tout s'il en a été question la semaine dernière ou non, puisque les livres d'emblèmes sont utilisés beaucoup par les jésuites aussi au cours du XVIIe siècle, mais les livres d'emblèmes qui présentent souvent une image et un texte qui glose cette image. Et donc on retrouve chez George Herbert une forme d'image, mais qui est réduite au simple titre et qui prend une forme verbale par pudeur, peut-être iconoclaste, de quelqu'un qui n'a pas recours aux images, mais qui en préserve une forme verbale à la place. Voilà. Dans tous les cas, ce qui me semble intéressant aussi dans ce poème, où l'image ne figure pas en tant que telle, comme une image dessinée, mais c'est qu'on a une image qui est réduite à son simple titre, qu'elle n'est pas vraiment expliquée, qu'il n'y a pas de raisonnement pour vraiment en faire sens. Il y a l'image d'un côté, the pulley, et de l'autre côté, une expérience sensible, un dialogue, une histoire, une fiction, mais il n'y a pas de raisonnement ou de tentative du verbe d'aller décoder l'image comme ce que l'on trouve dans les livres d'emblèmes. Donc, je peux peut-être vous montrer ici un livre d'emblème, une image. Est-ce que vous la voyez? Non, pas moi en tout cas, mais alors normalement vous pouvez faire glisser les choses si c'est un PowerPoint. Oui. Bien, je sais pas. Vous mettez les choses les unes après les autres. Ouais, je vais essayer ça. Ouais. Vous avez téléchargé le PowerPoint et puis après. Le PowerPoint et pourtant quand je fais la lecture, je le vois bien moi, mais je ne comprends pas. Ah ben peut-être vous mettez Restore Presentation, je sais pas quoi. Ah là peut-être. Excusez-moi, je suis désolée pourtant. On a peut-être dû essayer avant, mais. Ben on a essayé, non? Oui, on a essayé. Non, on n'a pas essayé un PowerPoint. Enfin, je crois pas. Mais. Non, normalement, ça devrait être simple. Voilà. Mais normalement, voilà. Et après, vous faites dérouler, quoi. Là, vous le voyez? Oui, et chacun peut l'agrandir, normalement. D'accord. Hein? On est d'accord, chacun l'agrandit pour lui-même. Voilà. Donc là, on a un exemple d'un livre d'emblème anglais, mais qui a sûrement utilisé une gravure, reprise du continent. Et on voit une image hein, qui est l'image de l'encre qui est tenue par un moine, et on a un texte en dessous qui flèche en fait chaque objet de l'image et qui explique en fait quel sens il faut attribuer à chaque objet. Donc chez Herbert, on trouve un petit peu de cela, mais sans qu'il y ait le fléchage constant entre le verbe et l'image qui est représentée par le titre. Donc en tous les cas, voilà, c'était juste pour vous donner un exemple d'un poème qui semblait utiliser une image incongrue, mais que cette image ne l'est pas du tout. Et je voudrais vous lire ici peut-être, alors il me semble que en fait, plutôt que de prononcer un simple jugement esthétique sur la façon qu'ont les images de fonctionner chez des poètes comme George Herbert, il me semblait urgent, lorsque j'ai entrepris mon travail, d'essayer d'éclairer cette esthétique particulière
plutôt d'une réflexion, enfin, d'éclairer par une réflexion sur la théologie de l'incarnation dans le contexte de l'iconoclasme anglais. Et un des grands anglicistes du XXe siècle, Robert Elrott, qui a écrit sur les poètes métaphysiques anglais, explique qu'on a, je le cite, comparé les conceits de Donne aux propositions métaphysiques qui unissent les contraires, mais il faut essentiellement assimiler aux propositions de la théologie de l'incarnation, trait d'union entre la nature et la surnature. Le conceit métaphysique a le privilège de faire apparaître des doubles natures par œuvre de médiation poétique. Donc, en effet, se limiter essentiellement à un corpus religieux, comme je l'ai fait, celui de George Herbert, qui en plus exprime souvent des idées proches de celles des iconoclastes par rapport aux images, me semblait intéressant pour essayer de comprendre quel était exactement le statut de l'image poétique. Et le défi était de montrer, ce qui était une intuition, donc là j'en viens à l'intuition, que en fait la poésie pouvait se faire le lieu de la substitution, d'un glissement des fonctions iconiques habituellement attribuées à l'image religieuse, mais qui ne trouvait plus sa place, et que la poésie pouvait être le lieu où venait se loger cette image, expérience absolument essentielle pour que, au contraire de cette expérience mortifère dont j'ai parlé, d'un verbe qui n'a pas le droit de se dépasser, d'une image dont le sens est contenu par un dicton ou par un verset, etc. Cette interrogation m'a conduite à explorer les choses à toutes sortes de niveaux différents, parce qu'évidemment, dire qu'il y a une substitution, enfin que l'image qui auparavant, l'image religieuse dont on pouvait faire l'expérience dans une église n'a plus son lieu, et que l'image, enfin ces fonctions-là viendraient se loger dans un poème, c'est une démonstration qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Donc j'ai multiplié un petit peu les approches en essayant, alors je suis angliciste, hein, je suis littéraire, je ne suis ni philosophe ni théologienne, mais en essayant tout de même de faire dialoguer poésie, théologie et philosophie dans cette démonstration. Ce qui m'a interpellée en particulier, c'était tous les débats qui avaient lieu sur l'Eucharistie, en même temps que les images évidemment étaient détruites dans ces églises en Angleterre, parce que le débat sur l'Eucharistie participe au même titre que l'iconoclasme à une réflexion en fait, hein, sur les signes, sur la valeur des signes. J'avais besoin, pour comprendre ce qui se jouait au niveau de l'image poétique, d'interroger la valeur des signes telle qu'elle s'interroge aussi dans les débats sur le mode de représentation ou sur le mode de présence qui a lieu à la fois dans les images et dans les éléments de l'Eucharistie ou de la scène dans la version protestante. Et donc, je voudrais rendre un petit hommage ici à cette occasion à Bernard Cotteret, qui nous a quittés l'été dernier, mais qui, enfin au printemps dernier, mais qui était quand même un grand angliciste aussi, et qui a beaucoup travaillé sur la réforme. Bernard Cotteret estimait qu'il y avait un oubli foucaldien dans l'analyse de la révolution des signes qui a lieu au début du XVIIe siècle, et que cet oubli le situe dans la pensée protestante de Calvin, qui insiste sur l'importance de la scène. Donc je cite Bernard Cotteret, qui cite lui-même Pierre Chaunu: c'est en effet au sujet de la scène que se trouve posée la question du signe, à la fois dans son aspect singulier, la communion, et général, le rapport à la révélation, si nous admettons la belle formule de Pierre Chaunu, l'écriture eucharistique. Donc voilà, une réflexion sur le signe peut aussi en passer par la théologie de l'image, en particulier celle, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans votre séminaire, c'est votre façon de brasser des siècles de pensée en fait, parce que je me suis retrouvée à m'orienter vers la patristique grecque comme un élément de réflexion pour essayer de montrer qu'il y avait bien une résurgence des fonctions iconiques de l'image dans la poésie de Herbert.
Donc j'ai emprunté des voies un petit peu détournées, si l'on peut dire, a priori. Herbert ne s'inspirait sans doute pas directement de la défense de l'image d'un Jean de Damascène, par exemple, ou d'un Nicéphore. Et cependant, l'icône est un autre type de sème, on pourrait dire, qui s'offre comme une continuité de l'incarnation et qui peut servir à éclairer le fonctionnement d'une poésie et d'un conceit, eux-mêmes pensés selon le modèle de l'incarnation. Donc voilà. Alors, j'ai emprunté des voies, comme je vous l'ai dit, très diverses, et elles peuvent paraître un petit peu suspectes, d'autant que faire valoir que George Herbert en fait ressuscite en quelque sorte l'icône dans la poésie, alors même qu'il, dans son discours, semble adopter des positions parfois iconoclastes. Je me suis aussi appuyée sur un théologien contemporain, un théologien anglican, qui explique. Je le cite, il est vrai que les anglicans ne pensent pas que la vénération des icônes, comme on la pratique en Orient, puisse être obligatoire pour tous les chrétiens, mais les anglicans sont d'accord sur le fait que la théologie de l'icône est fondée sur la doctrine de l'incarnation et qu'elle a l'intention de la sauvegarder. Ils acceptent aussi qu'il est légitime de regarder l'icône non seulement comme ornementale, mais aussi comme un moyen d'entrer en relation avec la personne ou l'événement qu'elle présente et de maintenir qu'en réponse à la foi et à la prière des croyants, Dieu, par l'icône, donne sa grâce sanctifiante. Alors, je vais arrêter un petit peu le partage et revenir voilà, à l'image. Je trouvais chez ce théologien Archen une sorte d'autorisation à explorer cette voie, à explorer la façon dont l'image poétique fait signe. Et la façon dont l'icône peut faire signe. Bon, lui, il écrit dans le contexte d'un dialogue interconfessionnel, il me semblait intéressant d'explorer cette voie plus précisément au sein de la poésie. Mais d'abord, il faut quand même dire que cette résurgence de l'icône va advenir par des moyens détournés dans un premier temps, Herbert se fait l'écho de différents discours iconoclastes qui l'entourent et que sa poésie est teintée toute une rhétorique iconoclaste. Alors, parmi les questions que je me suis posées au fur et à mesure de ce travail et qui, je pense, vous intéressent aussi, sont les questions, notamment, qu'est-ce que les iconoclastes détruisent en fait quand ils brisent une image? Pourquoi le font-ils? Pourquoi est-il vital que l'image trouve néanmoins des formes de résistance? Qu'est-ce qu'une image au fond? Comment cette résistance de l'image peut-elle s'organiser, s'opère-t-elle? Et voilà, donc c'est vraiment ces questions-là qui m'ont poussée dans cette enquête qui reliait de façon inattendue une pensée de l'image que j'ai surtout trouvée dans les écrits de Nicéphore, admirablement interprétée, traduite par Marie-Josée Montsin. Cette bataille des images qui s'était jouée lors du deuxième concile de Nicée en 787 et les textes qui avaient été écrits pour défendre les images m'ont permis de mieux comprendre aussi comment fonctionnait l'image dans laquelle subsiste toujours un écart. Alors, pour en venir à l'iconoclasme lui-même et l'élaboration du discours iconoclaste, donc en fait, en Angleterre, on a comme je l'ai dit, deux crises iconoclastes assez différentes. L'une semble prolonger l'autre, mais en fait elles sont d'une nature un petit peu différente. En Angleterre, très vite au XVIe siècle, on adopte enfin l'Angleterre est très érasmienne hein, dans sa réforme. Donc le premier discours qui domine en fait, c'est un discours sur les abus et les bons usages de l'image. L'image peut être utilisée comme libri populorum, comme façon d'éduquer ceux qui ne savent pas lire, etc. Et en fait, l'Angleterre, en France, ne s'ouvrira jamais à une approche vraiment luthérienne de l'image. Et on passe directement de cette vision érasmienne
à ensuite l'importation de discours plus extrémistes, Zwingli, et une réforme bien plus, enfin une approche de l'image beaucoup plus violente en fait. Donc il n'y a pas vraiment de moyen terme. Et en fait, donc il y a ce premier iconoclasme qui est une sorte de répétition sur le sol anglais d'un iconoclasme qui se joue sur le continent et qui va être particulièrement virulent en anglais, peut-être parce qu'il y a eu déjà des tentatives de réforme plus tôt avec les révoltes Lollards, par exemple. Donc il y a un terreau fertile pour cette destruction des images ou cette pensée de la destruction des images. Et ce qui va permettre de façon intéressante à Élisabeth aussi, la reine Élisabeth, lorsqu'elle arrive au pouvoir, d'organiser une sorte de remplacer un petit peu les images, enfin de cultiver un culte de sa personne, puisqu'elle va venir avec ses propres images remplir assez vite cet espace laissé vacant, mais aussi dans les églises, lorsqu'on défait lorsqu'on détruit les jubés, les images sur les jubés, lorsqu'on couvre de chaux blanches les peintures, sur les murs des églises, on les remplace souvent par les 10 commandements qui prennent la place de l'image et qui condamnent l'image. Par ailleurs, il y a toute une rhétorique qui se met en place et qui est véhiculée notamment évidemment par la parole et en particulier par des homélies officielles qui sont instaurées dans les années 1560. Et donc, je voudrais citer en particulier une homélie qui s'appelle « An homily against peril of idolatry and superfluous decking of churches ». Cette homélie est en grande partie, elle s'est divisée en deux parties, mais il y a une grande partie un petit peu historique d'études de l'histoire des images, etc. Et c'est en partie une traduction du texte Bollinger, je ne sais jamais comment prononcer son nom, Heinrich Bollinger, successeur de Zwingli à Zurich, son De origine erroris, in Devorum et Simulacrum, pardon, cultu. Et j'aimerais vous lire un passage de cette homélie qui est répétée hein, de façon inlassable dans les églises de l'Angleterre de la Réforme, parce qu'elle me semble extrêmement intéressante et que je crois qu'elle explique bien, enfin c'est une citation qui explique bien ce que les iconoclastes cherchent à détruire et surtout, en fait, plus que ce qu'ils cherchent à détruire, en fait, finalement, la confusion qui s'opère, en fait, entre l'idole et l'icône, en fait. Donc, une mauvaise compréhension, peut-être, du principe de ressemblance dissimilaire, en fait, qui est au fondement de l'image. Alors, je vais tenter de repartager et on va voir si ça marche. Donc, voilà. Partager Je ne sais pas fenêtre. si c'est le partage d'écran, hein. C'est plutôt le. Il faut upload, télécharger le truc sur la présentation. Oui, ben ça va. C'est ça? Ça va, oui, ça va. Enfin, c'est peut-être pas l'idéal, mais ça va. C'est pas l'idéal, ça Non, va. non, mais ça va, c'est pas grave. C'est pas vraiment ça que. Et puis C'est ça après, qui chacun peut. Peu importe, chacun peut. marche. D'accord. Alors moi, je ne vois plus le texte, mais ah, si, si, Ah si, bon? si, si, c'est bon, je le vois, je le vois, je le Voilà. vois. Et vous pouvez aussi l'agrandir, hein, Donc, donc. ce qui me semble intéressant dans ce texte-ci, que je vais vous lire en anglais, c'est la façon dont ce texte, en fait, propose une sorte d'approche philologique hein, de ce qu'est l'image en étant très précis au niveau des définitions. Il y a une recherche, une véritable recherche linguistique, étymologique, mais en même temps, il y a une différence qui est complètement niée et oblitérée. Donc, although in common speech, we used to call the likeness or similitudes of men or other things images and not idols, yet the scriptures use the said two words, idols and images, indifferently for one thing always. They be words of diverse tongues and sounds, but one in sense and signification in the scriptures.
The one is taken of the Greek word an idol, and the other of the Latin word imago, an image. And so both used as English terms in the translating of scriptures indifferently. And in the New Testament, that which St. John calls eidolon, St. Jerome likewise translateth simulacrum. As in all other like places of scripture, usually he doth so translate. The Latin words which he useth be effigies, and imago, to say an image. And therefore it skilleth not, it doesn't matter, whether in this process we use the one term or the other or both together, seeing they both, though not in common English speech, yet in scripture, signify one thing. Donc ici, on a vraiment un essai philologique qui cherche à abolir, en fait, la différence entre l'idole, la fausse image et l'image icône. Et il me semble que c'est vraiment un mouvement qui, voilà, que cette négation de ce qui pourrait être différent dans l'image, de sa ressemblance, de sa similitude toute relative, qui est niée. Et donc, ce que les iconoclastes cherchent à briser, c'est moins des objets que, en fait, un rapport de similitude qu'ils trouvent mensonger, parce que l'image est identifiée avec une similitude complète, totale, qui évidemment ne peut pas exister dans l'image. Alors, pour des personnes comme George Herbert, on voit que il y a toute cette rhétorique une rhétorique qui peut être un petit peu vulgaire d'ailleurs, qui va s'instiller dans la poésie de George Herbert, cette rhétorique de l'iconoclasme, de la dénonciation de l'image. On la trouve dans sa poésie, mais en même temps, en fait, il a par rapport à l'image une position plus nuancée que l'on pourrait retrouver par exemple chez son contemporain et ami John Donne, hein, que j'ai déjà mentionné. Donc, John Donne, par exemple, dans un de ses sermons, donc qu'il prêche dans les années 1620, où il essaye de revenir un peu en arrière sur l'iconoclasme de la Réforme, voilà, donne raison à Calvin en critiquant les « monuments of feigned miracles ». Mais en même temps, il rappelle que ce temps mensonger de l'image est passé et que dans certaines formes, elle peut être acceptée à nouveau. Je le lis parce que j'ai oublié de vous coller cette citation. Je vais essayer de le lire doucement pour que vous puissiez suivre l'anglais. In some cases, it may be some want to be without some pictures in the church, so far as they may conduce to a reverent adorning of the place, so far as they may conduce to a familiar instruction of the unlettered people. And this is true, that where there is a frequent preaching, there is no necessity of pictures. But will not every man add this, that if the true use of pictures be preached unto them, there is no danger of an abuse, and so as remembrances of that which hath been taught in the pulpit, they may be retained. Donc, en fait, il consent à ce que l'on abolisse les images dans l'Église, mais dit en même temps, si elles ne sont plus des idoles, on peut les utiliser comme remembrances, et cette fonction de la mémoire de l'image me paraît très importante, parce que au-delà du fait l'image peut être mémoire du texte et du verbe vivant, il me semble que plus généralement, l'image, le droit à l'image, c'est aussi se donner le droit à la mémoire. Et en fait, vouloir abolir l'image, c'est vouloir faire table rase d'un passé. Et c'est en cela que l'iconoclasme peut être mortifère et dangereux. Ce qui est intéressant dans ce sermon de Donne, où il essaye de réinstaurer un discours plus mesuré et racemien, on pourrait dire, de l'image, c'est aussi que finalement, même s'il attaque au départ les idolâtres, les papistes, selon lui, il faut bien qu'il fasse montre d'une rhétorique protestante acceptable, donc il cogne, si j'ose dire, d'abord sur les papistes, mais ensuite, sa frappe la plus violente, il la réserve contre la partie adverse, ceux qu'il appelle les « abhorrers of pictures », ceux qui détestent l'image, et qui seraient prêts, dit-il, « had rather throw down a church »
than let a picture stand, et qui serait prêt à détruire une église plutôt que de laisser une image debout. Voilà, donc on voit que se trame quand même une résurgence de l'image après les excès du premier iconoclasme anglais. Cette résurgence de l'image se trame de façon plus discrète, plus détournée chez George Herbert. Et j'aimerais vous lire une citation que je n'ai pas non plus mise dans la présentation, où en fait, George Herbert a traduit, ou du moins il est en lien avec des amis qui traduisent des textes de dévotion continentaux, et notamment les travaux de Juan de Valdés, un réformateur intérieur à l'Église catholique. Espagnol. Et on a des notes de Herbert sont publiées, des notes de Herbert qui réfléchit sur ce texte et pourquoi est-ce qu'il est bon de traduire les considérations de Valdés ou Valdeso, disciple espagnol d'Erasme, pourquoi est-ce qu'il est bon de les traduire à ce moment-là en anglais et quelles sont les modulations à introduire dans le texte. Et il revient sur une comparaison entre les images. Enfin, des images comme un alphabet pouvant enseigner la piété, et il dit « I much mislike the comparison of images and holy scriptures as if they were both but alphabets and after a time to be left. The holy scriptures, as I wrote before, have not only an elementary use, but a use of perfection. Neither can they be exhausted, as pictures may be by a plenary circumspection, but still, even to the most learned and perfect in them, there is somewhat to be learned more. » Donc, il me semblait que c'était intéressant sa façon de dire qu'il n'aimait pas cette association des images et de l'écriture sainte sous prétexte que les deux sont des alphabets. Et ce qu'il rejette finalement, c'est l'idée de l'alphabet. Et pour lui, le verbe est bien plus qu'un alphabet et l'image se trouve réduite en quelque sorte à un alphabet. Mais dans sa poésie, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il va faire une très grande place à l'expérience déjà à l'expérience visuelle et à l'expérience visuelle du verbe qui va devenir une façon de restituer au sein même de la poésie cette fonction imageante qui a été perdue dans les images, cette fonction iconique. Je passe un petit peu sur les différentes formes qu'a pris ma démonstration. Parmi les choses que j'essaye de faire valoir, c'est que dans sa poésie, il utilise des images qui sont similaires à celles qu'on trouve dans le livre d'emblèmes, mais que précisément, dans ses images verbales, il va abolir cette façon qu'ont les livres d'emblèmes de rationaliser l'image et qu'il va restaurer, en fait, redonner à l'image une part de son irréductibilité. Donc là, je vous propose de regarder un autre poème. Est-ce que vous voyez toujours vous avez toujours le partage d'écran sous les yeux, là, pardon? Là, en attendant, pour moi, en tout cas, je vois ce qui commence par « Although in common speech ». D'accord, ok. Donc, je vais essayer de passer à l'image suivante. Normalement, il y a une espèce de diaporama sur le pas. Ben oui, je ne sais pas, mais je m'y retrouve. Je crois qu'on ne fait pas ce qu'il faut exactement, mais bon. Ouais. Vous pouvez toujours remettre l'image d'après. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est… Enfin, je veux dire, l'écran d'après, c'est pas comme ça qu'on doit faire, mais bon… Alors là, est-ce que vous voyez... On va, voilà, ça va aller. Pas ça. Est-ce que là, vous voyez The Forerunners? Oui, tout à fait. D'accord, donc dans Je ce poème... Je suppose que tout le monde le voit. Voilà, dans ce poème, The Forerunners, c'est un poème qu'il écrit
assez tardivement et il réfléchit sur son usage de non plus de l'alphabet des images, mais des images poétiques. Il s'inquiète de la perte de ses talents de poète. Il prend une sorte de distance qu'on pourrait dire iconoclaste par rapport à ses propres images poétiques, à ses propres conceits. Donc ça c'est la fin du poème. Où il explique « Let foolish lovers, if they will love, dung », donc si c'est aimer le fumier, « with canvas, not with ours, clothe their shame, let folly speak in her own native tongue, true beauty dwells on high, ours is a flame, but borrow thence to light us thither, beauty and beauteous words should go together, yet if you go, I pass not, take your way, for thou art still my God, is all that we, that ye perhaps with more embellishment can say, go birds of spring, let winter have his fee, let a bleak paleness chalk the door, so all within be livelier than before. Voilà, dans les strophes précédentes que je ne vous ai pas données, il parle des métaphores compliquées, etc., auxquelles ont recours les poètes, et donc il dit qu'il va lâcher tout ça, et le poème s'intitule « The Forerunners », c'est-à-dire les messagers ou les avant-coureurs, ceux qui viennent marquer d'une trace blanche les portes des maisons qui seront retenues pour loger un seigneur lors de son voisin, ou le roi lors de son passage. Et ce que je trouve particulièrement beau et parlant dans cette image, enfin dans ce poème, c'est la façon dont il se finit sur l'idée qu'en fait, il y a comme un effacement de la langue poétique et de sa faculté imageante. Let a bleak paleness, il y a une pâleur qui vient peindre la porte ici, ça nous rappelle un petit peu la chaux hein, qu'on pouvait mettre sur les images dans les églises pour les cacher, mais c'est pour en fait restituer de façon plus vivante une image intérieure, so all within be livelier than before. Donc il y a vraiment cette, je pense, dans sa poésie, cette volonté de restituer d'une certaine façon l'écart qui est propre à l'image, l'écart de l'image qui ne peut pas se réduire par le logos en fait, hein. Même s'il fait profession iconoclaste, parfois iconoclaste de désir de destruction d'image, il y a au fond cette résistance d'une image irréductible dans sa poésie. Et le lieu vraiment de, je pense, où cela s'exprime le mieux peut-être, c'est dans tous ces poèmes qui ont à voir avec la scène, avec l'expérience de la scène, et dans lequel il explique ce que c'est que la scène, l'équivalent de l'Eucharistie hein, chez les catholiques. Quand on examine de très près sa position sur la scène, qu'on peut comparer avec d'autres positions, par exemple celle de Calvin, des positions protestantes qui s'écartent de la transsubstantiation, on se rend compte qu'il opte, comme certains théologiens anglicans, Hooker, pour en fait une expérience de la scène qui rapprocherait la scène de ce qui se passe dans l'expérience de l'icône, telle que l'a décrit Nicéphore lors du consul de Nicée. Donc je vais m'en expliquer un peu plus, même si je vais aller vite sur ce point parce que je vois que l'heure tourne, que ça fait déjà une heure quasiment que je parle. Excusez-moi, je vais retrouver la page que je voulais vous citer. On sait que la destruction des images chez les iconoclastes anglais et européens d'ailleurs s'accompagne d'une critique très très forte aussi de la transsubstantiation catholique dans les deux cas de figure, l'image que l'on adore et l'hostie que l'on adore aussi, hein, d'après les protestants, c'est ainsi qu'ils voient le rapport des catholiques à leur hostie. Ce rapport-là est un rapport idolâtre parce qu'il confond en fait le modèle divin et le signe qui est censé mettre en présence d'une certaine façon le divin
Et on sait bien sûr que Calvin, par exemple, accuse dans son traité des reliques, hein, accuse les catholiques d'être des cannibales. Enfin, il n'est pas le seul, mais voilà. Voilà, donc, alors excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. Oui, donc la critique de l'image s'accompagne aussi de cette critique de la transsubstantiation, et il y a une sorte de méconnaissance finalement des différences entre le rapport entre l'image et la chose qu'elle est censée refléter ou vers laquelle elle fait signe. Une méconnaissance des différences entre justement la transsubstantiation, ce qui se passe dans l'Eucharistie, et ce qui se passe dans l'image. Donc si on revient à une pensée... Alors pardon, excusez-moi, je n'étais plus sûre de la citation que je voulais vous donner. Oui, voilà, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que Herbert, comme Hooker, va s'écarter un petit peu de la position réformée classique. Dans cette position-là, donc en fait, on a différentes variantes. Mais par exemple, il y a un débat autour de l'Eucharistie, hein, chez les protestants, notamment lors de la. Enfin, le débat autour de l'Eucharistie va diviser en fait les protestants entre eux, notamment au colloque de Marbourg, par exemple, en 1529. Zwingli se fait le défenseur d'une interprétation purement mémorielle de la scène. Voilà, donc. Contre l'interprétation de Luther. Et puis Calvin, lui, est connu pour une position dite médiane, puisqu'il élabore l'idée d'une présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, mais une présence réelle qui ne serait que spirituelle, en fait. Voilà, donc... Bon, Alain Besançon, dans son ouvrage « L'image interdite », glose ainsi la pensée de Calvin sur l'image. Il dit que l'image... Alors, attendez, pardon, j'ai encore perdu le fil. Il glose le chapitre 11... Du premier livre de l'institution, dans lequel Calvin demande à ce qu'on ne conserve dans les temples d'autres images que celles que Dieu a consacrées par sa parole. J'entends le baptême et la sainte scène du Seigneur. Donc ici, on voit clairement que Calvin propose de faire de la sainte scène une image, et a Besançon d'expliquer que Calvin, n'ayant pas une foi aussi inconditionnelle dans la présence réelle, peut donc assigner aux espèces un statut d'image, cette fois au sens le plus fort et quasi iconique. Donc là, je ne serais pas entièrement d'accord avec Besançon. Je crois que la valeur quasiment iconique revient plutôt en force chez quelqu'un comme Hooker, qui va restituer en fait une sorte de, enfin une façon beaucoup plus imagée de parler de la scène. Alors je crois que j'ai peut-être sa citation ici. Non, pardon. Voilà, si c'est ça, oui. Est-ce que vous voyez la citation de Hooker? Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc, whoso, alors, là. Whoso observeth how again they labor and sweat by subtlety of wit to make some show of agreement between peculiar conceits and the general edicts of nature must needs perceive they struggle with what the... non, ça, vous n'allez rien comprendre, excusez-moi. They are things wonderful which he feeleth, great which he seeth, and unheard of which he uttereth, whose soul is possessed of this paschal lamb and made joyful in the strength of this new wine, with touching it sanctifieth, it enlighteneth with belief, it truly conformeth us unto the image of Jesus Christ. Donc chez lui, il y a vraiment l'idée que c'est l'expérience sensible de la scène, au-delà de toute possibilité de la gloser, mais c'est cette expérience sensible qui va réconcilier en fait le croyant à l'image de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose que l'on trouve chez Herbert dans sa poésie, dans laquelle il s'émerveille souvent du fait que, pour le citer,
Love is that liquor most divine, which my God feels as blood, but I as wine. Alors, c'est ici se dissocie d'une interprétation symbolique ou de la présence purement spirituelle, réelle, purement spirituelle que l'on trouve chez Calvin, puisqu'il parle de déjà non pas exactement du vin, mais de l'amour comme une liqueur divine que Dieu ressent comme du sang et que je ressens comme du vin. Donc, s'immisce en fait dans cette compréhension de la scène, dont il voit en fait la poésie comme la continuité, l'idée qu'en fait il y a non pas une présence réelle purement spirituelle, non pas une transsubstantiation, il reste vague sur les modalités de la présence, mais ce qui compte c'est en plutôt la question de la réception et le fait qu'en fait le vin de l'Eucharistie ou de la scène reste pour Dieu et pour la seule image réelle de Dieu, c'est-à-dire le Christ, reste du sang, alors que pour celui qui y goûte, cela est du vin. Et cette citation-là, et parmi d'autres, nous rapproche, je crois, de la façon qu'avait Nicéphore de concevoir l'icône comme un lieu de similitude relative. Donc, je finirai avec cette citation de Nicéphore qui distingue en fait l'œuvre de l'icône de ce qui se passe dans la scène, en fait, qui a un autre rapport à Dieu, en fait, hein, puisqu'il y a en fait il y a une identité, une consubstantialité des éléments de l'Eucharistie avec le modèle divin, si j'ose dire, alors que dans l'icône, est-ce que vous voyez la citation l'icône comme similitude relative, c'est bon? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Super. Donc, l'icône est une réplique de l'archétype. En elle se trouve imprimée la totalité de la forme visible de ce dont elle est l'empreinte, et cela grâce à la ressemblance, et n'étant distincte du modèle que par la seule différence d'essence qu'elle doit à sa matière. L'image artificielle est une imitation de l'archétype, une copie, et elle diffère alors du modèle par essence et dans son substrat. Par conséquent, l'icône est une réplique, une effigie d'êtres qui ont leur propre subsistance. Donc, voilà ce que les iconoclastes ignorent, en quelque sorte. C'est le fait qu'en fait, dans l'image, il n'y ait pas de ressemblance, il n'y ait pas d'identité essentielle ou d'identité de substance, mais que l'icône est bien la réplique de la partie visible et de la totalité visible de ce vers quoi elle fait signe. Il me semble que l'expérience de la scène telle que la décrit Herbert, mais aussi, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais l'expérience de la poésie qu'il nous donne à lire permet à la poésie de devenir en fait ce lieu incarné, visible, parce qu'il joue énormément, notamment avec des calligrammes, hein, sur la dimension visuelle de la poésie, mais qu'elle devient effectivement ce lieu d'une empreinte visible, d'une empreinte qui est complètement l'image de son modèle, même si elle ne partage pas le même substrat, la même essence, la même substance. Voilà, donc voilà, c'est le cheminement, je trouve assez merveilleux de voir que la poésie peut redevenir ce lieu-là d'une ressemblance ou d'une similitude relative qui ne menace jamais de devenir une idole, tout simplement. Voilà, merci. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci pour tout ce que vous nous avez. Il y a énormément de choses, alors il n'est pas question de... Enfin, c'est très dur de les absorber toutes. Alors, je passerai évidemment tout de suite la parole
à l'assistance. J'avoue que j'aurais très envie de savoir ce que Pierre-Antoine Favre pourrait vous, non pas vous répliquer, mais enfin, pourrait nous résumer comme disons, une position très, très différente, forcément. Ce sont à peine des remarques, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui manque de manière frappante, non pas dans votre exposé, mais dans ce dont vous parlez, c'est la différence entre l'image et les statues. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, apparemment, il y a, j'allais dire, il y a un aplatissement, c'est le cas de le dire. Il y a une Ah, certaine. complètement, ouais. Mais d'ailleurs, dans les textes de l'époque, en fait, très souvent, dans les textes écrits, justement, les textes iconoclastes virulents, quand on parle d'images, c'est très souvent, en fait, des statues. Elles sont un peu images aussi, en fait. Il n'y a pas de différence. Alors, elles sont plus menaçantes parce qu'elles sont, voilà, elles sont en trois dimensions, donc elles sont plus menaçantes. Mais le terme de images, quand on le trouve dans les écrits d'iconoclaste, par exemple, fait tout à fait référence aussi bien à des statues qu'à des images peintes, en fait. Oui, ça va avec l'aplatissement de Complètement, Eikon ouais. et Eidolon, Ouais. qui quand même, je sais pas si j'ai pas l'impression qu'il y ait des hellénistes parmi nous exactement, mais bon, je pense que ça ferait bondir quand même des hellénistes de faire cette espèce d'égalité entre Eikon et Eidolon, où on a l'impression que Eikon veut immédiatement dire similitude et que Eidolon, il y a quand même un élément de tromperie dedans, ou de fantasmata. C'est très dur comment dire, de les Non, mais c'est cette construire. négation des variations qui me paraît incroyable, quoi, et je trouve qu'il. Et donc vous avez l'air d'avoir souffert. Oui, c'est un Personne. manque, oui, c'est ça, Par ouais. contre, évidemment, cette invention de comment dire, le titre de votre exposé, c'est-à-dire le discours fait image, est aussi très frappant. Donc, je m'arrête là et je laisse la parole à qui veut, avec, j'avoue, une petite demande à Oui, Pierre-Antoine Favre de savoir si mais je regrette de ne vous allez pas nous avoir faire un petit aidé résumé de ce que dirait la Compagnie de Jésus. Oui, mais je veux bien, j'interviendrai volontiers, en particulier pour dire que je n'ai pas du tout le sentiment d'appartenir à une sorte d'autre camp, hein, et vraiment pour toute une série de raisons assez précises en fait, et mais qui rendent ce séminaire très précieux, puisque le fait est qu'on est on dans ces on est héritier dans ces domaines d'historiographie qui reste souvent très très cloisonnés en fait, alors même qu'on est soi-même rattaché à aucun espace confessionnel, on reste dépendant d'historiographie qui elle-même procède de longs héritages confessionnels. Et donc, c'est vrai que la communication, la communication des régions religieuses, disons, de l'Europe moderne est une communication assez difficile. Véritablement, moi, je me suis senti dans une grande familiarité avec tout ce que vous disiez. Pour vraiment, alors je vais simplement, mais très, 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 très rapidement, essayer peut-être d'indiquer quels sont vraiment les lieux très précis, hein, qui m'ont rendu familier. Il y a en premier lieu, puisque vous avez évoqué ce sujet au tout début, il y a en premier lieu la question de l'emblème. La question de l'emblème, on peut dire, alors comme tout ce que je vais dire là, je dirais tout ce qui est aussi bien des zones de partage que des zones de frontières, disons. Et la question de l'emblème, en particulier tous les travaux qu'ont fait des collègues et amis de Louvain-la-Neuve sur l'emblématique, qui ont vraiment, Ralph de Coninck et Agnès Guider-Denis en particulier, qui ont vraiment complètement réformé, si je peux dire, la vieille tradition emblématiste, hein, et en montrant comment l'emblème était vraiment une sorte d'instruments disons, de réglage sémiotique entre l'image et l'écrit, disons, dans la première époque moderne, dans tous ces états, hein, c'est-à-dire qu'y compris dans la tradition jésuite de l'emblème, on n'est pas du tout toujours, ni toujours déjà, dans le domaine d'une image affirmée et, comme vous le disiez très bien, rationalisée, contrôlée, etc.
il y a une sorte de timidité de l'image dans la première emblématique jésuite, qui est très grande et qui correspond précisément à la difficulté de cette rationalisation, justement. Et puis progressivement, il y a une espèce de déploiement de cette espèce de chimère emblématique associant image et texte, mais c'est vraiment c'est une zone culturelle de partage, je dirais. Ça. Il me semble aussi que là où il y a un grand partage, une grande circulation, c'est sur finalement tout ce problème de l'image textuelle, disons. Parce que toute une partie de la première littérature spirituelle catholique, disons dans le premier XVIIe siècle, est vraiment possédée par l'idée de montrer par le texte les insuffisances de l'image. Alors, on pourra totalement doubler cette proposition d'une autre qui serait aussi de montrer l'irréductibilité de l'image, d'une certaine façon, puisqu'au fond, qu'est-ce qui est résiduel dans l'image une fois que le texte a tenté de la transformer pour mieux en montrer les insuffisances? Alors, on pourra très très bien finir par découvrir une irréductibilité de l'image. Mais ce qui est certain, c'est que la conversion textuelle de l'image est une obsession de cette littérature. Donc là aussi, tout ce qui tourne autour de l'ekphrasis, disons, comme forme hein, de l'image textuelle, fait partie de cette littérature catholique. Et donc là je me sentais pleinement familier, en particulier d'ailleurs sur un aspect précis proprement poétique, qui est, je me souviens j'avais beaucoup aimé la thèse d'une petite camarade, d'ailleurs, parce qu'elle était comme moi élève de Louis Marin, qui faisait en même temps que moi sa thèse sur Lacépède, sur les poèmes de Lacépède. Et ce qui est très remarquable dans les poèmes de Lacépède, c'est que il est aussi dans une sorte d'exercice poétique qui consiste en quelque sorte à défaire l'image. Il n'est plus en train d'écrire devant une image de la crucifixion, il est au pied de la croix. Et étant au pied de la croix, il ne voit plus d'image, il n'a plus que des sensations relevant de parties de la croix, d'aspects du Christ qu'il ne perçoit que par ses sens et plus du tout par une image globalisée et rationalisée. Donc là aussi, ce sont des univers qui poétiquement me semblent extrêmement... extrêmement proche, en fait. Oui, entièrement d'accord. Et peut-être enfin, avant de vous poser une question, mais le problème de l'iconoclasme de ce point de vue-là est vraiment palpitant, parce que finalement il y a une sorte de jeu de renvoi de balle iconoclaste, disons, dans toute cette période dans laquelle on quand même les catholiques s'acharnent à démontrer que les vraies idoles sont les protestants. Et en particulier parce que l'iconoclasme est une forme de révérence de l'image, parce que si l'image était morte, à quoi bon la tuer? Donc, le moment même où l'iconoclaste porte la main contre l'image, alors il en ressuscite les pouvoirs, là même où il voulait les faire disparaître. Donc, l'iconoclaste se met les pieds dans le tapis, se prend les pieds dans le tapis irrésistiblement, et c'est quand même un grand argument catholique pour indiquer à quel point ce sont les protestants les idoles, et eux-mêmes, au contraire, ceux qui ont désinvesti l'image, qui l'ont désenchantée, etc. Donc l'iconoclasme, là aussi, est un objet absolument fascinant parce qu'il est complètement... il traverse, disons, le terrain de jeu interconfessionnel constamment. Et ma question, ce serait sur quelqu'un que vous n'avez pas évoqué et qui me semble vraiment dans toute votre perspective d'analyse, une œuvre vraiment, vraiment importante. Alors, je me demande quelles sont les raisons pour lesquelles vous la teniez en lisière. C'est Milton. En particulier, alors c'est peut-être chronologique parce que c'est tardif, parce qu'il me semble que la tentative de Milton de concevoir une irréductible image, parce qu'au fond c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire de concevoir Dieu comme une image visible,
avec tous les effets de mise en crise du dogme trinitaire qu'il y a à partir de là. Parce que si c'est Dieu qui est lui-même une image visible, alors qu'est-ce que devient le statut du Fils comme image visible de Dieu ? Donc toute la dissidence proprement théologique de Milton à partir de là. Mais ce qui est passionnant chez Milton, c'est cette recherche d'une sorte d'image première, une sorte d'image originaire finalement. Non pas une image qui serait une image d'eux, mais quelque chose qui serait vraiment incrusté au cœur même de la divinité. Et du coup, il me semblait que c'était une sorte de cas extrême qui était important par rapport à votre réflexion sur l'irréductibilité de l'image, disons. Il me semble que le cœur de votre exposé, c'était ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on continue à faire avec l'image dans toute cette culture? Et il me semble que Milton, de ce point de vue-là, est une sorte de paroxysme. Oui, non, Milton, c'est vraiment un cas à part. Enfin, c'est vraiment... effectivement, et puis bon, il est quand même anti-trinitaire, quoi, en fait. Voilà. Ah oui, parce qu'il débouche finalement sur une crise de l'économie trinitaire. Oui, complètement. Ouais. Alors, Milton, c'est un géant en lui-même, et il se trouve qu'au moment où je travaillais sur la poésie... Alors, déjà, c'est une esthétique qui est très différente de l'esthétique dite métaphysique. Donc, il y avait aussi une quête, enfin, voilà, une enquête plus spécifiquement esthétique qui faisait que Milton n'était pas dans le même champ. Et il se trouve que moi, justement, j'avais une petite collègue qui faisait sa thèse en même temps que moi sur Milton, en fait. Donc, on s'était un petit peu partagé le terrain, et je pense qu'il faudrait que vous l'invitiez en fait pour qu'elle puisse vous parler de Milton et du statut de l'image chez Milton, qui en fait est assez différent parce qu'il y a des racines communes. Mais qui est cette collègue? Elle s'appelle Leila Germani. Ah, mais oui, mais ouais. Oui, mais je la connais bien parce que j'ai publié un texte à elle il y a quelques mois. Là. Voilà, très bien. C'est elle en particulier qui m'a fait découvrir Milton. Oui, donc voilà, donc elle saurait où. Voilà. Et donc on s'est un peu réparti la tâche en quelque sorte. Et on en a souvent discuté parce qu'on a vraiment fait nos thèses en même temps. On les a soutenus à une semaine ou deux semaines d'écart. Et voilà. Mais effectivement, moi chez Milton, chez Milton, il n'y a pas exactement il y a une irréductibilité de l'image, mais il n'y a pas la même pensée de l'écart, en fait, que l'on trouve chez Herbert ou chez John Donne. C'est-à-dire que chez lui, dans sa poésie, en fait, et sa vision de poète inspiré lui donne accès, il a un accès à l'image, voilà, plein et entier, il voit l'image. Alors que chez les poètes sur lesquels j'ai travaillé, on est toujours dans l'écart, en fait. Oui, je comprends. Oui. Voilà. Donc, oui, voilà. Mais sinon, oui, je trouve que, bon, j'ai pas cité Louis Marin, mais qui est aussi un des penseurs sur lesquels je me suis appuyée. Et en fait, oui, il y a beaucoup, beaucoup de lieux de convergence insoupçonnée entre les réformes catholiques, enfin les réformes catholiques et les réformes protestantes, et c'est ce souci chez les uns et chez les autres de légitimer l'image par à différents degrés ou de la rejeter, mais de toujours en passer par le verbe, etc. Donc c'est assez frappant, et c'est vie du livre d'emblèmes, des livres d'emblèmes qui sont supposément convertis aussi au protestantisme en Angleterre, mais on voit que la conversion se fait qu'à moitié, parce que bon, on accepte l'image du moment où elle est imprimée, où elle est sur une même page que le verbe, ça passe, mais comme en plus on a un marché du livre et des techniques d'impression qui sont plus réduites, surtout les gravures, on réutilise des plaques que l'on trouve, voilà, les mêmes gravures parfois que les catholiques, donc voilà, et par exemple Herbert, il est très ami avec Nicholas Farrar qui lance une sorte de communauté anglicane, mais qui,
et voilà, à la fois laïques, mais ils mettent au point des sortes de livres qu'ils appellent des harmonies entre les différentes évangiles, où ils découpent tous les dans des Bibles les différents versets pour montrer en fait le récit invariant. Ou le récit et ses variations des évangiles. Et il coupe et il colle dans ces mêmes livres toutes sortes d'images venues du continent, dont des images de dévotion. Donc c'est assez fascinant en fait, ces appropriations et Ah ces. oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, mais là, il y a une part de l'histoire matérielle de la gravure dans cette période qui est vraiment importante parce que c'est. Ouais, tout à fait, ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais Bah, enfin, bon, merci je pense que j'ai déçu Pierre parce que je n'ai pas été du tout dans. Non, c'est-à-dire que les différences, elles sont beaucoup dans les discours, dans les rhétoriques affichées, et après, dans l'expérience sensible, il y a des convergences. Oui, tout à fait. Voilà, cela dit, c'est vrai qu'il y a une question qu'on avait envie de vous poser, c'est pourquoi tant de haine? C'est-à-dire qu'il y a une violence qui est enfin, moi, je ne m'explique pas, mais qui doit être. Bah, je pense qu'il faut. Alors, pourquoi tant de haine déjà? Je pense voilà, que l'image est peut-être un bouc émissaire hein, pour d'autres révoltes politiques, sociales. Mais ceux qui théorisent l'iconoclaste ne sont pas nécessairement ceux qui détruisent les images. Et ce qui est aussi, je pense qu'il faut peut-être nuancer un peu notre vision des iconoclastes. C'est-à-dire qu'il y a des destructions violentes, mais quand on regarde le journal d'un iconoclaste, William Dowsing, par exemple, qui est iconoclaste, qui dirige une sorte de milice iconoclaste, pour le faire court, pendant dans les années 1640, hein, lors des guerres civiles. Il tient un journal des destructions qu'il fait commettre, etc. Et qu'il mais en fait, ce sont des. C'est-à-dire que ces destructions, c'est pas juste des destructions. C'est-à-dire il y a des choses qu'on oblitère, on gratte les visages, on gratte tous les symboles qui pourraient être évocateurs d'une sorte de renouveau d'un cérémonialisme catholique dans une église anglicane sous l'ordre qui renoue un petit peu avec certaines traditions catholiques. Mais en même temps, une des choses qui préoccupe les iconoclastes, c'est le bon entretien de l'église. Et donc, par exemple, en fait, enlever des images dans les vitraux et remettre les nouveaux vitraux en état, c'est très coûteux. Et ils le font avec beaucoup de soin, en fait. Donc, on a aussi les registres de comptes de gens dans les églises qui expliquent que, ben voilà, ils ont ôté telle chose de la vitre, ils ont réparé ceci, mais on est aussi dans un état, en fait, de. Par exemple, George Herbert est quelqu'un qui a restauré une église parce qu'après la réforme d'Henri VIII, il y a des églises qui sont laissées à l'abandon et qui étaient déjà laissées à l'abandon de toute façon dans le Haut Moyen-Âge. Donc il y a aussi l'idée que ces gens-là qui sont des iconoclastes, enfin, c'est pas une idée, mais ces gens-là qui sont des iconoclastes et des destructeurs sont parfois en fait des réparateurs d'églises. Donc ils ne sont pas toujours dans la destruction. Mais effectivement, leur destruction de l'image semble insinuer que. Ou intimique, qu'en fait, oui, il croit au pouvoir de l'image, en fait. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que là, il donne raison aux catholiques, et je crois que là où on leur fait du tort, c'est de penser qu'ils sont dans la destruction constante, alors qu'ils sont aussi dans la restauration, en fait. Bah, écoutez, je vais redonner. Juste là-dessus, c'est aussi ce que Christin avait bien montré dans la Évidemment. résolution symbolique. En particulier le soin avec lequel précisément les iconoclastes étaient d'excellents iconographes, en fait. Oui, tout à Ils avaient fait. une manière de faire disparaître certains signes Oui. qui était une manière de se protéger contre l'idée de vouloir détruire la matière, ce qui effectivement était très à double tranchant. Et donc on a cette espèce de d'effacement de l'image, mais pas de la matérialité de l'image, en fait. Oui, c'est vrai. Et Oui. Non, c'est vrai que les travaux de Christin avait Christin. montré ça Oui, très bien. tout à fait. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie pour ce dialogue. Donc, je vais bien sûr si donner la parole aux autres. Juste un mot pour dire que, enfin, juste pour revenir au présent, que ça a peu de rapport, mais en même temps,
En même temps, dans le présent que nous vivons, moi, je suis frappé par le fait, bon, d'abord, l'exclusion de la théologie du champ public. Et, bon, ici, ce n'est pas le cas, mais bon, c'est une toute petite enclave, un tout petit îlot. Et puis, il y a aussi une chose très, très simple que je voudrais dire, qui est que on a l'impression qu'au moment où le fameux tournant linguistique était en train de s'exténuer, il faut bien dire, alors est arrivée l'ère de, bon, d'abord, des images au sens un peu bête de la chose, c'est-à-dire de l'averse d'images qui nous tombent dessus, mais aussi un peu plus profondément de l'ordinateur. Alors, pas l'ordinateur au sens un peu trivial de ce qu'on achète partout, mais aussi au sens de ce qui a commencé, disons, avec Turing, dans les années 30, même avant même de construire quelque ordinateur que ce soit. Et donc avec l'intelligence artificielle, et puis avec aussi ce qu'on appelle les sciences cognitives, dont on a un peu l'impression qu'elles ont été inventées pour sauver le soldat structuralisme qui était quasiment défunt. Et donc tout ça fait qu'on baigne quand même dans une certaine contradiction à propos de ce rapport des images et du discours, puisque évidemment, tout ce qui est de l'ordre de l'ordinateur en un sens très large, c'est-à-dire on a presque envie de dire ce qui est de l'ordre du cerveau gauche versus le cerveau droit, si on prend une vieille image qui n'est pas tout à fait fausse quand même, mais tout ça a fait que le tournant linguistique, enfin ce qu'on a appelé le tournant linguistique proprement dit ou en philosophie, a été vraiment relayé par cette espèce de bulldozer. Qui finit par nous écraser. Alors tout ça n'est pas en principe totalement directement relié à ce que vous nous racontiez, mais enfin quand même, c'est pour dire que ce qu'on raconte Je est pense quand que même c'est pas lié. indépendant. Non, je pense que c'est lié parce qu'en fait, je crois que à partir du moment où on nie l'écart subsidiel dans l'image, voilà, c'est problématique. C'est-à-dire que dans les sciences cognitives, enfin voilà, dans cette approche cognitive ou par exemple l'idée qu'on pourrait tout expliquer par l'image d'un cerveau. Par un diagramme, une photographie du cerveau, ben, on oublie de dire, on oublie de penser que c'est l'image d'un cerveau, c'est une traduction de quelque chose, mais ce n'est rien, ce n'est absolument pas le cerveau lui-même. Donc, on oublie qu'il y a un écart entre cette photographie et le cerveau. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit justement, par exemple, dans la poésie métaphysique. Une des images que les poètes métaphysiques aiment bien utiliser, c'est ils sont très inspirés par la cartographie qui connaît un essor incroyable hein, à cette époque d'exploration et des transformations. Mais justement, ils l'utilisent parce qu'ils ont tout à fait conscience que la cartographie, c'est une nouvelle image, une nouvelle façon de représenter quelque chose. Ce n'est pas la chose elle-même. Et c'est ça qui les intéresse, quoi. C'est cette idée toujours qu'on est dans un rapport de similitude, mais relative. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ces poètes utilisent beaucoup d'analogies, en fait. Leurs images sont quasiment toujours, enfin, très souvent, sont des images analogiques, hein, parce qu'ils restituent à l'intérieur de l'image, en fait, ils appellent notre attention au fait que l'image est toujours une image relative, en fait. Voilà. Alors moi juste avant de laisser la parole, simplement pour dire que évidemment on pourrait continuer, on n'aura pas cette année, on va pas continuer dans la théologie, mais on pourrait continuer à l'infini, que évidemment il faudrait parler du judaïsme et de l'islam, j'espère qu'on en parlera un jour, que ça manquera pas de il manque pas de gens qui savent en parler. Et donc je laisse la parole de nouveau à qui veut, je sais pas, Agnès par exemple qui quand même travaille sur l'image, quoique d'une façon très différente. Bon, je dis à Agnès parce qu'elle est là, mais voilà, est-ce que vous avez des remarques, des questions? Donc vous apparaissez comme vous voulez, si je puis dire, à l'improviste, avec vos caméras, si vous avez quelque chose à nous dire. Oups. Si on n'a pas de... N'hésitez pas, hein, parce que... Bon, on a déjà dit beaucoup de choses, mais il y en a toujours une infinité d'autres qu'on peut dire. Non, pas de remarques. Allez. Bon.
pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation du tout. Ça fait déjà presque 1h30 qu'on est là. Je n'ai même pas oublié d'enregistrer, ce qui est quand même très bien. Ben, dans ce cas-là, s'il n'y a pas plus de questions, ben, je vais vous souhaiter à tous, alors j'allais dire de bonnes vacances, mais ça n'a plus aucun sens. Enfin, les choses n'ont plus beaucoup de sens. Mais n'empêche qu'on observe une pause d'un mois et que le prochain exposé sera le 4 mars avec Gélanus qui est là et qui nous parlera alors de l'image d'un livre de Sartre que moi j'ai jamais lu, qui est peut-être un peu moins célèbre que d'autres, qui s'appelle précisément L'Imaginaire. Voilà, et je vous remercie encore beaucoup. Moi aussi, je vous remercie beaucoup pour cette séance, vraiment. Vraiment beaucoup, et ben, à bientôt, autrement, autre part, mais à bientôt. Merci beaucoup. Très bien. C'était un vrai plaisir de repenser à l'image avec vous. Merci. Donc, à bientôt, au revoir tout le monde, et à la prochaine fois. À bientôt. À bientôt.